D'ailleurs, demain, je pense pas de live parce que demain, il y a la France qui joue à l'Euro et j'ai envie de voir ça. Bon, allez, 3-2-1. En tout cas, si on peut finir cette première moitié de l'année 2024 avec en dominant tout Donkey Kong Country Returns 3D, toutes les catégories de speedrun.com, ça me ferait plaisir. En tout cas, pas tous les niveaux, parce que les niveaux, c'est impossible, hein, j'ai clairement pas le niveau. Léa Casino a du tryhard, vraiment certains niveaux, parce qu'il y a certains niveaux où je n'arrive pas à avoir les records du monde, pour vous dire à quel point c'est dur. Notamment, les 6-5, j'ai pas réussi. Ouais, ça me... J'ai même pas les mots pour décrire ça. Je vous laisse débattre de ça dans le chat. Hein. Moi, j'ai même pas envie de parler de ce fail qui est ridicule. Donc, quoique là, ça va mieux. Ouais, là, ça va un peu mieux quand même. Voilà, là c'est mieux là. Vas-y, vous savez quoi, je continue parce que la suite a été mieux. Ok, bon, vas-y. C'est quoi, je la fais comme ça. Allez, voilà. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, on a les pièces bananes. En plus, j'ai l'impression qu'on les a tout le temps dans ce niveau, je sais pas pourquoi. Mais tant mieux, hein. Tant mieux. Par contre, c'est vrai que j'ai été un petit peu lent. Et quand je vais me remettre à la version Wii U aussi, j'ai 4 objectifs. Déjà, j'ai 2 records du monde. Un sur le mode miroir et un sur le mode de 100%. Ça va être très long, hein, les runs de 100%, mais... Vas-y, hein, on n'a qu'une vie. Hein. Faut bien tenter des trucs. Le Annie Person, le sub 1h35 et le 100%... Ah putain. Et le 100%, j'aimerais être top 3 mondial. Ça va être très dur, hein, mais j'ai vraiment ces 4 défis là en tête. Et sur la version Wii, au moins j'ai des objectifs et tant mieux. Et peut-être que je vais même tenter le record de France sur le Annie Person. Parce que le Annie Person, le record de France est par Antel J qui a un temps très très vite. Vient de 1.33.10. Putain, je suis nul. Ah, ça va. Beau comeback. Par contre, encore une fois, je vais perdre du temps parce que j'ai plus Didi, quoi. Regardez là. Merde. C'est moyen, ça. Ok, bon, c'est encore les bananes. Mais c'est pas très grave. Et sur la version Wii... Je vais peut-être me proposer d'autres défis aussi, peut-être sur des niveaux. Hein. Mais déjà il y a peut-être un niveau où je me sens peut-être capable d'avoir un record du monde. Les gars, c'est sur 7-1. Sur 7-1, mon record c'est 56-85 et le record du monde c'est 56-17. Donc ouais, il y a quand même un sacré écart, mais j'ai peut-être le potentiel d'avoir le record du monde parce que le record du monde, bah, il y a une nouvelle stratégie qui a été découverte récemment et en début d'année. Et je me dis, ouais, peut-être que je pourrais battre Léa Casino. Hein. Ce que je me suis dit hier, et en vrai, ce serait peut-être assez intéressant de tenter. Ok, on n'a pas gold, mais mon gold sur ça, je sais pas comment, mais il est giga propre. Moi je pensais avoir un gold. Bon, c'est pas grave. En tout cas, la run est clean. Ça, c'est bien.
Même si on a foiré le niveau 1, que j'ai pas réussi le truc le plus simple du monde sur ce niveau, j'ai quand même continué. Et ouais, bah je crois que j'ai bien fait. Mais là, j'ai. Après ça. Après, je sais pas, ça va me prendre combien de temps mes défis sur Return sur Wii. Moi, je me dis, ça va me prendre tout le mois de juillet. Et après, je pense que je serai sur du speedrun de Mario Bros sur DS. Parce que j'ai quand même deux objectifs sur ce jeu. Et donc, ouais, va falloir que je tryhard le jeu, hein, parce que. Ça fait quand même très longtemps. Tant que j'ai pas speedrun une catégorie, que j'ai pas rebattu un record. Parce que mes derniers records c'était sur des niveaux et c'était. C'était quand déjà? C'était en mai, c'était le mois de mai. C'était le mois de mai dernier, j'ai eu des beaux records, j'ai égalisé des records du monde, j'ai battu un record du monde sur un niveau à 100%, mais. Ça attendra pour les catégories. Enfin, j'en avais fait hors live du Annie Person. Et ça s'était pas très bien passé malheureusement. Pour la simple et bonne raison que bah, j'ai pas réussi à battre mon record. Bon allez, on est reparti sur le niveau, on a foiré notre info web tout à l'heure. Mais ouais, sinon pour revenir de ce que je parlais de Mario Bros, ouais, du coup j'ai deux objectifs. C'est le jeu en moins de 25 minutes en Annie Percent et le 100% en moins de 3 heures. Deux défis où je m'en sens capable, mais ça fait. Ça va faire des années que je me dis ça, mais que bah je les ai toujours pas réalisés quoi, donc faut les réaliser tôt ou tard. Hein. Let's go! Il manque une pièce jaune là, c'est frustrant. Merde. En plus, j'ai le record du monde sur ce niveau récemment. Je suis assez fier de 2 frames. Et en fait, dans les niveaux en train, si tu sautes sur un ennemi, tu perds des frames. Ok! Allez, on a la lettre N qui est très dur à récolter sur la version Wii. Vraiment, faut que je me concentre un truc de fou. Par contre, le record du monde sur la version Wii de ce niveau-là, je crois qu'il est frame perfect. C'est 1.3706, je crois. Et ouais, vraiment, quand je dis que c'est frame perfect, je déconne pas. Vraiment, il a fait une masterclass dans le record du monde. Allez. Ok, c'est bon, on a les pièces jaunes qui nous manquent. Vas-y, en vrai, attends. Oh, let's go, j'ai les pièces bananes. Ça, c'est un gros avantage pour la suite de l'aventure. J'ai pris un risque. Parce que, enfin, c'est pas vraiment un risque. C'est que j'ai voulu perdre du temps. Parce que ça fait perdre du temps, en fait, de secouer le truc Kong. Et j'ai bien fait de le faire parce que, bah, voilà ce que ça nous a donné. Ça va parce que sur la version 3DS, les jus de bananes sont moins chers que sur la version Wii. Sur la version Wii, c'est 20 pièces. Sur la version 3DS, même sur le mode original, c'est 10 pièces. Et c'est 7 pièces sur la version, sur la nouvelle version du jeu sur 3DS. Alors là, je vais vous demander un peu de silence, s'il vous plaît. Parce qu'on va écouter le plus gros banger musical du monde. Donc, un peu de silence. Thank you.
Ok, on peut reparler les gars. C'est juste que le niveau a un OST tellement banger que... Et pour vous dire, hier, ça m'a... Quand j'ai rallumé la version Wii, ça m'a foutu des frissons. Quand j'ai rallumé un 1.4, vraiment ça m'a foutu des frissons. Enfin, hier, avant-hier, pardon. Vraiment, j'ai... Surtout 1.4, mais quand je vais le redécouvrir sur la Switch, je vais pas en faire un live, parce que le jeu sort un jeudi, j'aurai cours, je pense. Vous allez me voir, je vais fondre en larmes. Eh, je suis sûr, je me filmerai en train de redécouvrir 1.4. Mais si je fonds en larmes, et que je mets la vidéo, je sais pas, sur mon... Sur Insta, sur Discord, ne soyez pas étonnés si je fonds en larmes, vraiment. Faut pas être étonné de mes réactions. Qui sont des fois farfelues. J'en ai conscience, hein. Ok. Oh. Hop. Ok. Et je prends pas trop de risques. Vas-y, j'ai envie de me faire quelques pièces bananes parce que... Faut pas trop prendre de risques avec ça non plus. Hein. Enfin, j'aurais peut-être dû les farm là, j'avoue que... C'était risqué ce que j'ai fait. Enfin, ça va quand même parce que là j'en ai assez pour... J'en ai 23 là. Donc ça veut dire que j'en aurai assez pour... Pour la clé, mais pour la clé du monde 3, ça risque d'être un petit peu limite peut-être. Enfin, je sais pas. Alors si je fais de la merde sur les boss aujourd'hui, ne soyez pas étonnés, je me suis pas du tout entraîné sur les boss aujourd'hui. Bon, ça va parce que visiblement j'ai toujours de l'expérience sur les boss, donc ça fait plaisir. Ok, bon ça va. Ok, ça c'est bien ça. 12 minutes 50 pour faire le monde 1 à 100%. C'est pas trop mal, même si on peut peut-être mieux faire, hein. Effectivement, on peut encore encore des trucs à améliorer sur le monde 1, notamment un 1 qui a pas été si banger que ça, un mini fail sur un 4, bah, sur pas mal de niveaux il y a eu des mini fails et tout, donc ouais, c'est largement améliorable, hein. Mais bref, on va pas rester dans le négatif, on va continuer la run et on va voir si on va faire en moins de 3 heures, parce que là je pense que cette run elle est... C'est peut-être la run, hein, vraiment. Oh merde! Ah oui, je suis con. Très con. Ok, hop, hop. Ça va. Ça reste assez propre. Ok. Merde. Limites quand même. Ok, comme ça, hop. Petite pièce banane, bon là, je prends pas le risque. Hein. Non. J'ai pas envie de prendre de risque là. J'ai quand même envie de prendre mon temps. Ok, ok. Ça va quand même, je. Ça va quand même. Bon, il y a eu un moment donné où j'ai foiré mon saut, mais ça va.
Allez, là on est parti sur sable sournois. Et je me rappelle quand j'étais petit, j'arrivais pas à rattraper la lettre K de ce niveau-là et. Ouais, ça m'avait fait chier. J'arrivais pas à la ramasser. Oh. Ok, bon bah, je rebondis sur le crabe sans faire exprès, bah. Pourquoi pas, hein. Ok. Ok. C'est propre. C'est propre. Oh merde! Le con, le con. Enfin, on a raté la cycle, on a raté la fast cycle. Bon, bah. Voilà. Putain, mais je sais pas sauter, c'est un truc de. Ok. Maintenant on va partir sur 2-6. Quel niveau de merde d'ailleurs. Ok. Ok.
Ok. Par contre, c'est bien. Ça, dans ce niveau, c'est vrai qu'il y a pas mal de pièces banane à avoir. Voilà. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Bon, là, on va pas en avoir. Oh putain, j'ai failli me péter la gueule. Oh putain, je vais rater une caisse banane. Je suis désolé d'être nul, hein, mais je vais rater une caisse banane là. Parce qu'il y en avait une dans la caisse. Sauf que mon personnage, il a fait une de ces glissades du jamais vu. Hein. Bon, je vais faire la pièce banane que j'aime pas avoir. Hein. Voilà, je vais faire ça. Bon, je prends mon temps. Vas-y, je prends mon temps. Voilà, comme ça. Ok. Ok. Attends. Oh putain, j'ai cru que j'allais pas l'avoir. Par contre, le truc là que je fais avec le jet d'eau de la baleine, j'arrive à le faire sur 3DS, mais sur la version Wii, j'avais pas réussi à l'époque quand j'étais à fond sur le jeu à le faire. Mais la version Wii, là, quand je vais revenir dessus, je pense que je vais pouvoir battre pas mal de... Je pense que je vais vraiment pouvoir améliorer mon record, parce que le fait d'avoir tryhard la version 3DS, ça m'a donné une de ces progressions, vraiment... J'ai le sentiment d'avoir progressé sur le jeu, en général, grâce à la version 3DS notamment. Ok. Déjà pour le moment c'est parfait. Merde. Bon, fallait s'y attendre. Ah putain. J'ai pris aucun risque, je voulais pas de Diddy Kong Gamer, donc voilà. Ah, me craquer les doigts, quelle addiction de fou. Allez, là on est parti sur mer tentaculaire. Le meilleur niveau, pas du tout. Ah putain. Ah, ce niveau là, j'ai tellement pas hâte de le redécouvrir sur la version HD. Ah putain, en plus je suis pas concentré. Ok, ok. 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 C'était propre. Moi j'aime bien. Franchement, cette run, c'est validé. Hein.
J'espère que on va continuer comme ça. On va faire d'autres masterclass et tout, parce que moi, comme je le dis, j'aime bien. Quand j'aime bien, j'aime bien. Ok, hop, comme ça, on suit. Et là. Oh, j'ose pas. Alors là, j'ose pas. Attendez, parce que j'ai quand même pas envie de que mon Diddy Kong il se prenne des dégâts. Alors là, c'était très limite. Non, j'ose pas y aller, je sais pas pourquoi. Je vais pas oser faire le gros jump là. J'ose pas le faire. Ok, bon déjà là c'est très bien parti. Eh, si je peux faire ça sur la version Wii, hein, franchement, banger. Hein. Parce que là, 27-47 que j'ai split pour 2K. 27-47-80 pour être précis même. Si je peux faire ça sur la version Wii, quand je retournerai speedrun les catégories du jeu, franchement banger. D'ailleurs, tant que j'y pense, là c'est en face de mes yeux, c'est en face de moi. Je vais vous dire un truc. J'ai fini mon stage. Hier. Et l'entreprise, vu qu'elle est super gentille, m'a offert des stylos feutres. Voilà, bon. Pour certains, vous en battez les couilles. Pour moi, je trouve ça super gentil. Bon, je vais pas les utiliser tous les jours. Hein. Mais au moins, si j'ai besoin d'écrire à quelqu'un qui aime bien peut-être le feutre, voilà. En plus j'ai pas mal de couleurs, je crois j'ai du jaune, j'ai du bleu, j'ai du marron, donc il y en a pour tous les goûts. Non, alors j'ai fait le con, j'espère qu'il y a un cœur. Putain, il n'y a pas de cœur. Ah, j'ai fait le con, c'était sûr, hein. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis pas entraîné sur les boss, et quand je m'entraîne pas sur les boss, à part le boss du monde 7 et le boss du monde 8, bah je suis à chier en fait. Il faudrait des fois se remettre en question sur Endo et essayer de s'entraîner un peu. Et voilà. Et voilà, j'ai perdu Didi, ça me casse les couilles. Mais putain! Ah merci. Ah, c'est l'une de mes pire performance sur un boss. 7B, c'est le 7B dans mon 100%, c'est ma pire performance. Mais là, cette 2B dans ce run là, c'est ma pire performance sur le boss du monde 2 et l'une de mes pires performances all time sur le jeu. Après, c'est pas grave parce que Diddy Kong, tu le récupères directement dans le niveau 1 du monde 3, mais ça me casse quand même pas mal les couilles.
Non, 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 c'est pas ça ma pire performance. Ma pire performance, c'est mon, c'est mon 4D sur mon 100% de return sur Wii. C'est catastrophique. Je meurs deux fois. Je meurs deux fois. Et ma 3B aussi catastrophique dans ma 100% de la version Wii. Ah putain. Ok, bon déjà ça c'est propre. Merde. Ah putain, je suis un petit peu trop rapide, du coup je bonk. Ok. Ok, bon bah c'est bon. C'est propre. Elle était propre cette 3-1. Pourquoi vous ne faites pas de pause? Pour la simple et bonne raison que j'ai pas le temps pour ça. Moi les pauses, je ne sais pas ce que c'est. Moi je suis toujours en mode tryhard, parce que le tryhard, bah c'est bien, c'est ce que je veux faire dans ce jeu et voilà. Et là en plus je suis en speedrun donc j'ai pas le temps pour vos messages à la con. Alors là du coup c'est 3-2, timing tendu, bon là on va encore pouvoir farm les pièces jaunes en masse. Ok. Oh merde! Attendez. Oh, je me suis fait, mais putain, mais reviens! Reviens, petit moustique! Reviens! Oh merci, en plus. Oh, je perds une pièce banane, c'est dommage. Et je perds plein de temps, surtout, c'est ça le pire. Une pièce banane, je m'en bats les couilles, mais oh, tout le temps que je perds ça, ça me fait chier par contre. Ok. Allez, on est part. Ok, bon là au moins il n'y a pas de backup sur ça. Tellement désespéré d'avoir perdu 10 secondes sur ce niveau. Non, on va pas la tenter, on va pas tenter de la fast cycle que j'ai dans mon world record sur ce niveau. Et franchement, c'est un des plus durs à battre. Parce que ce niveau, il est tellement précis. Même le record de la version Wii, il est quasiment parfait. Vraiment, il est incroyable. 1,5777 par minus 112. Mais voilà quoi. Ok, bon ça c'est parfait. Ok. Plus tard, Balthazar.
Merde. Bon, j'aurais pas cette pièce jaune là. Ok. Merde. Oh mais c'est un truc de ouf, ces statues de roche là en plus. Oh c'est catastrophique là ce que je fais. Merde. Ça c'est un niveau je kiffe le faire mais pas en mode speedrun. Parce que vraiment le fait que tu sois sur un bateau dans ce niveau je trouve ça trop cool. Mais en speedrun putain c'est... C'est un niveau long, c'est un niveau pas facile à speedrun et tout, flemme. Ok, bon. Je me suis un peu planté à un moment donné, mais ça va. On a pas perdu du 10, ça c'est l'essentiel. Parce que si je perds du 10, ça va un peu me faire chier. Et pour la seconde partie du niveau où t'es en bateau, oh putain. Là voilà, là je suis dans le bateau et pour cette partie là, c'est quand même un petit peu mieux d'avoir Didi. Ah putain, bon bah. Rip Didi. Ça me fait chier de perdre du temps comme ça. Ah putain, en plus il roule pas. Mais roule. Et j'espère que je meurs pas là, parce que si je meurs... Oh putain, j'ai cru que je l'avais pas. Oh là 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 là. Alors là, franchement, là c'était très dangereux. J'ai pas trop cru, mais c'est bon. Par contre, c'était très lent. C'était très lent et c'est dommage. Ah, je perds quelques frames. En tout cas, bonjour à tous ceux qui arrivent sur ce live. Hein. Je tiens à le préciser parce que des fois je vois le nombre de viewers qui augmente un petit peu. Donc voilà, je tiens juste à dire bonjour s'il y a des gens qui passent. Hello, if there are some people, you can welcome on the channel of Sorrento. So, yes. French and English channel. Chaîne française et anglaise. C'est incroyable ça! Oh putain, mais sérieux le jeu là?
De toute façon, je crois qu'il y a un Didi dans pas longtemps. Donc ça va. Ok, bon, ça va. Ok. Oh mince, j'ai... Alors. Ok. Alors ça, c'était propre. Oh merde, j'ai foiré sous... Bon, ça va. Non. Mais non, mais... Non, par contre, là, j'ai... Oh putain. Et ils me font peur, hein. Oui. Oui. Je suis vraiment pas... Je suis vraiment pas fort, hein, mais sur ce niveau, mais... Ça va, ça va. Franchement, j'ai cru que j'allais mourir et tout, que j'allais devoir recommencer jusqu'au bout du monde, et finalement ça va, parce que ce niveau, en plus, il est long quand tu fais de la merde et tout. Finalement, ça va, ça s'est bien passé. Et pour le moment, zéro mort, donc ça va. Oh putain, non. Mais quel connard! Oh, je mérite d'être une merde. C'est karma, ça, parce que je dis zéro mort. Je foire le truc. Je foire le truc le plus simple du monde, quoi. Parce que je suis trop con. Non. Il n'y a pas un cœur quelque part? Non, c'est une caisse banane. Bon, on y va quand? On y va maintenant? Allez. Ah, j'ai pas pris la petite banane. En plus, il m'en manque 4. Normalement, ça devrait être bon. Hein. Allez, pour moi. Merde. Allez. Prochaine étape, c'est 3B. Normalement ça devrait bien se passer, 3B. En plus j'ai le record du monde, mais ça égalité. Je sais pas si il est vraiment battable ce record du monde, peut-être en vrai. Mais ça risque pas d'être un gros record du monde, quoi. Puis, je me sens pas motivé à refaire des records du monde. Ça a l'air d'être plutôt bien comme début de run. Allez. Et de 1. Oh merde. Ok, bon. Oh putain, quel dommage. Comme ça et... Oui. C'était pas mal, c'était vraiment pas mal du tout. La RNG a été pas si dégueu que ça. Et ça, franchement, ça fait plaisir. En plus, zéro mort. Souvent, c'est dans le monde 4 que je commence à mourir. Surtout que quand il va y avoir 4-3 qui est le pire niveau du jeu. Le pire des pires niveaux du jeu. Vraiment, 4-3 c'est de la merde. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce niveau. C'est de la grosse merde. Vraiment. Oh mais sur Returns HD, je vais prendre... Je vais souffrir. Je vais détester ma vie pendant... Pendant vraiment pas mal de temps à cause de ce niveau. Hein.
Ok, bon, déjà c'est clean. En plus, on va avoir les pièces bananes manquantes, et ça fait plaisir. Regardez, il n'y a plus qu'une, et en plus elles sont là. Voilà. Voilà, bon, là je prends pas de risque. Je préfère sécuriser et prendre le tonneau de Diddy Kong. Ok. Ok, bon bah c'est vraiment incroyable là, ce que je viens de faire. Wouhou! Franchement, elle était propre cette 4-1. Franchement, giga propre. 4-2, on espère faire de même. En plus, je sais pas comment, mais je suis mort dans mon pibi sur 4-2. J'ai fait de la grosse merde, donc... on espère que ça ne va pas se reproduire. Du moins, normalement, hein, ça ne devrait pas se reproduire. Vas-y. C'est propre. Checkpoint normalement. Je sais pas pourquoi j'ai eu un rond de doute. Vas-y, là je prends pas de risque. Oui! Allez, et là. Ok! Ok! Ok, là on est y part. Cette musique là aussi elle est banger. C'est pour ça que j'aime ce niveau là en fusée, c'est parce que la musique elle est que dans ce niveau là, elle est banger. Et en plus de ça, tu peux éclater les ballons où il y a les taupes et c'est trop drôle, c'est trop bien, c'est... Banger, banger, banger.
Oui. Giga propre là, franchement, j'aime beaucoup. J'ai l'impression que ça se passe mieux que dans ma run en new mode pour le moment. Et ça se trouve, je vais faire mieux en original mode qu'en new mode, hein, c'est pas impossible. Bah, dans ces cas-là, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, tant mieux, hein. Tant mieux pour la version original mode et tant pis pour la version new mode, hein, si j'ai fait de la merde, c'est juste moi qui sais pas jouer, hein, et tant pis, hein. Allez, là, on passe au pire niveau du jeu. Parce qu'il y a la lettre O qui est littéralement irrécupérable. Ça va être très compliqué. C'est mille fois plus facile sur la version Wii. Mais là, en fait, c'est frame perfect sur la version 3DS. Et ouais, je me suis entraîné hier. J'y suis arrivé first try. Donc là, vous allez voir, ça va me prendre au moins trois tries. Vous allez voir. Premier try. Échec. Et pourtant, je suis à une frame. Une petite frame. C'est trop dur. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais j'y arrive pas. Ça va, parce que je suis pas plus frustré que ça, mais ça me fait chier, quoi. Allez, et maintenant, et là. Ok, c'est bon. Deuxième try. Franchement, je suis fier de moi. Faut juste que je me plante pas sur ça parce que sinon je vais câbler. Ok. Ok, c'est bon, checkpoint. C'est bon. Là, je me sens un peu plus à l'aise. Donc let's go. Je ne prends pas de risque. Alors là, par contre, hop. Oh putain, quoi? Donc là, vraiment, je me suis cogné comme ça. Putain, mais ça m'est jamais arrivé avant. C'est les fails les plus improbables. Ils arrivent à qui? À une seule personne. Et faut que ce soit qui? Faut que ce soit WAM. Super, faut que ce soit moi, faut que ce soit moi. Vas-y, je ramasse la pièce. Hein. Oui! Bon, finalement, j'ai fait deux morts comme dans mon... Comme dans ma version new mode. Putain. J'ai un peu le seum en vrai, je vous cache pas. Ça me fait un peu chier, mais bon. Ça va parce que je crois que la deuxième mort est pas. Fait pas perdre autant de temps que la première mort, donc ça va. Je vais pas venir contre lui. Et là. Maintenant. Ok. Maintenant. Ok, let's go! Là on va à 4-5. Chauffe un petit peu. Je kiffe chantonner, vraiment, je kiffe ça, ça me déstresse quand je suis en run. Enfin là, je suis pas vraiment stressé, mais voilà quoi. Par contre, le compte il est très très bas, comme vous pouvez le voir.
Ok, bon là, c'est le truc que j'aime pas. Donc là, on est y part. Oui! Ah, ça fait plaisir. Bon. Là au moins on n'est pas mort comparé à mon PB en new mode où j'ai de choc. Bon, après mon PB en new mode, j'ai de choc sur des niveaux où je devais pas de choc. J'ai de choc sur 7F, j'ai de choc sur 6K, j'ai de choc sur 8-4. 8-5 c'est compréhensible parce que c'est un niveau de merde. Enfin bref, j'ai fait un petit peu n'importe quoi sur pas mal de niveaux quoi. Bon là ça va, on a eu que 2 morts dans le monde 4, c'est sur le même niveau. Parce que c'est un niveau de merde. Allez. Ok, 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 ok. Alors là, je prends un peu mon temps, mais c'est un petit peu normal. Je veux pas trop perdre de temps, en fait. Bon, là, par contre... Vas-y, je... J'ai profité de l'invincibilité pour Rush. Visiblement, c'était la bonne stratégie, parce que on s'en est très bien sorti sur 4K. Je le maîtrise beaucoup mieux en new mode, mais c'est normal. Mon record du monde est en new mode. L'ancien record du monde de Léa Casino était en new mode. Ils ne font donc pas être étonnés si... voilà quoi. Bon là par contre, je sais pas pourquoi ça va pas démarrer directement 4B. Donc on va perdre un peu de temps. Mais c'est pas grave parce que la run reste assez propre dans l'ensemble. Franchement, on peut peut-être faire ça en... Merde. J'allais dire, on peut peut-être faire les 4 premiers mondes en moins d'une heure. Mais là, à cause de ce fail là, j'y crois un peu moins. Ok. Alors. Oui. En plus, on farme les pièces bananes comme ça, c'est un truc de ouf. Ok. Alors, est-ce qu'on y va maintenant? Ok. Je sais pas pourquoi j'ai... Pendant un moment, je me suis dit... Non, j'ai pas sauté au bon moment et... Finalement, le moment était un bon moment. Ah, putain. Bon, là... Là, par contre, on s'est tellement mis bien en pièce banane. Oh, putain, il fait chier, lui. Alors, bon, on n'aura pas le moins d'une heure, je pense. Oh, le bâtard! Mais non, je vais perdre Diddy Kong, c'est sûr. Ok, bon, au moins, j'ai la clé... J'ai pas la clé, le cœur, pardon. Bon. Eh, par contre, c'est un truc de ouf, là. Je suis nul, là, sur la grosse taupe. Ah, voilà. Là, par contre, le dernier truc de la grosse taupe, là, c'était bien. Je peux tellement mieux faire là sur 4B, mais ça va quand même. 1 heure et 12 secondes pour faire les 4 premiers mondes. Wouhou, let's go. Wouhou. C'était propre quand même. Cette première... Enfin, c'est pas vraiment la première moitié de run. Parce qu'il y a 9 mondes sur la version 3DS. Et voilà. Ouais, j'ai envie de remettre mes lunettes correctement, parce que, voilà. Parce que sans mes lunettes, je ne vois rien. Faire un speedrun du Donkey Kong Country Returns 3D sans mes lunettes, vous allez voir, ça va être une sacrée contrainte. Franchement,
Ça pourrait être un truc à tenter. Tenter de faire la full complétion de Returns, Returns 3D ou Returns HD sans mes lunettes. Alors là, le défi de Zinzin, oh putain. Oh, par contre, à la fin du défi, comment je vais pas bien, je vais me dire putain, mais... Oh là là, mais je veux mes lunettes, je veux revoir, je veux retrouver la vue. Au secours! Au secours! Merde. Merde. Non! Je suis mort! Sérieusement, je suis vraiment mort là? Oh putain, tout le temps que je perds en plus. Ah, c'est ça de pas avoir Didi aussi. J'aurais eu Didi, je serais pas mort. On est parti pour les emmerdes. Ok, bon, là ça va. Là ça va aller mieux, là je pense. Là je me sens un peu plus confiant parce que j'ai Didi. Ça va. Là je me sens vraiment confiant. Oh putain. Plus jamais j'ouvre ma gueule. Plus jamais j'ouvre ma gueule. Là, je remeurs une fois sur ce niveau. Fin du live. Je dis oui, je me sens en confiance parce que j'ai Diddy Kong, machin chouette. T'es mal à confiance, t'es mal à la gueule de la confiance. Plus jamais je fais ça. Oh là là, je meurs. Et en fait, à chaque fois que je serai mort sur un niveau, en fait, je mourrai deux fois en fait. C'est ça ce que le jeu veut me faire comprendre, quoi. C'est que. En fait, dans chaque niveau où je meurs, il n'y aura pas une mort, mais il y aura deux morts. On a eu deux morts sur 4-3. On a eu deux morts sur 5-1. C'est la malédiction des deux morts. Ça veut dire que tu meurs une fois, bah en fait, tu meurs deux fois. Bon, plus 5-1, quoi. 5-1. 5-1. Vous comprenez ça? 5-1. 5-1. C'est-à-dire le premier niveau du monde 5. C'est censé être un niveau assez simple pour débuter dans le monde 5. Et en fait, non, bah, froid, l'humiliation. Primate acrobate. Bon, par contre, ce niveau-là, il est beaucoup plus dur en... dans le 100%. Allez. Ok, propre. Bon, alors. Merde! Bon, vas-y, tu sais quoi? Prends-moi Didi, hein, c'est pas grave parce qu'il y en a un qui est juste là, de toute façon. Oh, oh, oh! Oh putain, mon doigt il a glissé, j'ai rattrapé. Je suis trop fort au jeu. Non! Oh, je me déteste! Je me déteste avec moi-même, putain, monde 5, monde de merde. Je me déteste avec moi-même, j'ai... Bon bah... Oh putain, ça me casse les couilles. Je me prends un dégât à un endroit où je peux pas me prendre de dégâts habituellement, putain. Mais j'ai honte de moi, je déteste ma vie. Putain, je déteste ma vie, hein. Bon, bah là, j'attends, hein, putain, casse les couilles ce jeu de merde. Eh, c'est pour ça que je le dis, Returns 3D, jeu de merde. Eh, vivement que je retourne sur la version Wii, là. Alors. Bon, là, au moins, ça va. Là, je fais quelque chose de pas dégueu. Est-ce que je fais... Vas-y, tu sais quoi, j'ai même pas envie de perdre Didi, donc je le fais comme ça, voilà. Putain, dans les entraînements, ça s'était bien passé en plus, 5-2, sérieux. Bon là, finalement, c'est bon. J'ai plus la malédiction des deux morts. Par contre,
Là, c'est ridicule ce que je fais sur le monde 5. Donc là, c'est simple. Là, si j'ai pas... On va mieux se concentrer. Là, on va se ressaisir. Là, parce que ce que je fais, c'est n'importe quoi. Enfin, voilà, quoi. En plus, j'arrive même pas à aller dans le niveau, quoi. Mais souvent, la deuxième partie de run, c'est vraiment la partie où je fais n'importe quoi. C'est vraiment la partie... Je fais que de la merde. Je suis vraiment Flopman. Vous connaissez Flopman? Bah, c'est moi. Alors là, non. On va pas jouer avec le feu. Ok. Ok. Vous savez quoi, j'ai envie de prendre un risque. Parce que mais je le prendrai pas, parce que je sens que je vais me faire karma. Hein. On me connaît pour... Ok, bon. Ça va quand même. Ça va quand même ce que je fais. Là, j'ai pas le droit de mourir sur ça, même s'il y a peu de chance. Wouhou! Totem titubant. Wow. Putain, c'est dommage. Dommage que la chauve-souris aille me faire chier. Merde. Ok, bon là j'ai pris mon temps, mais... Parce que si je prenais pas mon temps, on sait tous qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pas pris mon temps. Merde, putain. Le fail improbable, encore une fois. Bon, en vrai, 5-3 ça s'est bien passé, 5-4 ça s'est bien passé, par contre 5-2 et 5-1 là... J'espère que je vais rattraper ça là sur les autres niveaux parce que voilà quoi, c'est dommage. C'est vraiment dommage de perdre du temps bêtement en plus sur des niveaux comme ça, des niveaux qui sont pas compliqués en plus. Allez, 5-5. Let's go, let's go. J'ai eu peur, hein, je vous cache pas. Ok.
Ok. C'est vrai que quand je fais ça, ça sert à rien parce que regardez, il y a le tonneau. Ok, bon, encore un niveau qui se passe bien visiblement, donc ça, ça fait plaisir. Là, il n'y a aucune chance que je me fasse karma. Là. Vraiment, ça s'est très bien passé, 5-6. 5-6, ça a été incroyable. Par contre, 5-7 en new mode, j'ai fait de la merde. Pour la simple et bonne raison que... pourquoi j'ai fait de la merde? Pour la simple et bonne raison que... j'ai pas ramassé la lettre M. J'ai dû recommencer le niveau. J'ai perdu presque une minute. Donc c'est dommage. Parce que je viens de remarquer sur le reflet de la DS que j'avais un petit épi. Donc je recoiffe ça. Merde. L'OST est banger. Enfin, putain, jure que j'ai été touché. Bon là par contre... Oui. Voilà, je prends aucun risque. Ok, bah super, j'ai fait ça pour rien. J'étais en mode, allez, j'ai un cœur en plus, c'est que quelques secondes. Et finalement, il y a ce gros truc qui me bouffe, super. Putain, j'ai perdu Didi en plus. Et vous savez que ça me frustre quand j'ai pas Didi. Bon, là, vous savez quoi, je vais la jouer... je vais la jouer chill, hein. Bon, ça me fait chier, quoi. Je suis stressé, j'ai peur que mes doigts glissent. Voilà. J'ai pris mon temps sur la fin, mais j'avais vraiment peur de me casser la gueule, donc voilà quoi. Après là ça va être 5-8, après 5K et après 5B, bon là c'est bientôt la fin du monde 5, en vrai ça s'est bien passé, bon 5-7 j'ai failli faire de la merde, mais 5-1 et 5-2 ça a été catastrophique, mais en vrai ça va pour le reste, donc ça va, si la majorité des niveaux se sont bien passés, c'est que ça s'est bien passé pour moi. Ok, le truc improbable. Putain, mais forcément, je fais de la merde. Oh, putain. Mais non, mais... Allez, s'il te plaît. Allez. Je prends le cœur quand même, parce que si je prends pas le cœur, c'est risqué quoi. Surtout pour 5K, parce que 5K c'est pas le niveau le plus simple, en plus c'est un niveau K, un niveau Kong, et ça c'est des niveaux de merde.
Non, putain, bah déjà... Gros con. Je suis vraiment pas concentré, gros con. J'ai perdu Didi, super. Je suis vraiment le mec, le plus gros noob du monde. Le pire joueur de Donkey Kong Country Returns. On va reset la run sur ça, c'est sûr. J'ai cru que je l'avais pas, mais je l'ai quand même. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi je l'ai, mais... Je déteste ça. Là, c'est simple, un seul dégât et c'est foutu. Hein. Le pire joueur, voilà. On était deux et là, maintenant, on est qu'un parce que, bah, forcément, je suis le pire joueur du jeu, quoi. Donc, je suis même pas étonné, hein. Allez voir un autre streamer, hein, vraiment, je déconne pas, j'ai déjà un niveau catastrophique au jeu. Plus mes doigts glissent. Alors, je vais la faire comme ça. Ok. C'est bon. Ça s'est quand même bien passé, mais je sais pas pourquoi. Je me suis précipité comme une merde. Plus jamais je fais ça. Ok, et... Maintenant. Bon là par contre ce qui est dommage c'est vraiment le 5-1 et 5-2 où je suis mort quoi parce que en plus c'est des morts qui m'ont fait perdre tellement de temps. Surtout 5-1. 5-2 à la limite bah c'est juste que j'ai été frustré après parce que j'avais perdu Diddy Kong et tout, j'ai fait n'importe quoi. Là j'ai été frustré sur 5-4 pour zéro raison quoi. C'est juste que je sais pas jouer au jeu. Qu'il faut que je me sorte les doigts du cul et que je me entraîne. Mais franchement, là, ce que j'ai fait, c'était ridicule, vraiment. Ok. Et de 2. Et de 1, et de 2, et de 3 peut-être. Ah putain, c'est... Bon, en vrai, ça va. J'espère que j'aurai quand même encore Didi. Non. Et il veut pas sauter, c'est vrai. Bon, au moins c'est bon. Ça va. Ça, j'ai connu pire. Ok, donc 1-20-12-86. Donc ça m'a pris vraiment 20 minutes pour faire le split du monde 5. Environ 20 minutes. 20 minutes et quelques millisecondes. Hein. J'ai pas créé de sous-split pour les mondes en fait. Donc voilà. 6-1. Là qu'on va faire. Normalement ça devrait bien se passer, 6-1. Ok, déjà, on est bien parti. Alors, je prends quand même mon temps. Alors, juste, voilà. J'aimerais pas perdre de vie trop rapidement. Ah putain, il veut pas. Ok. Je prends un peu mon temps sur ce niveau, mais je veux faire un truc bien, donc... Oh putain. Puis au moment où je dis je veux faire un truc bien, le jeu m'envoie chier. Bon, allez, un cœur. Alors, voilà. Vas-y, tu sais quoi, je prends un risque, hein, je sais, mais... Pourquoi il roule pas? Très bizarre ce qui vient de se passer, en tout cas. Putain, mais pourquoi il part pas du bon côté? Attendez, j'ai peur.
Oh putain, par contre, je pensais pas l'avoir le saut que je viens de faire. Je pensais pas toucher le tonneau avec. Je pensais pas toucher le baril avec. Et ça s'est bien passé. Let's go! Je célèbre un peu trop, je sais, mais. Je suis un mec très célébrateur. Hein, je suis pas un mec qui peut pleurer de joie quand il célèbre, mais je suis un mec quand je célèbre, je crie, mais vraiment je crie. Et je pense que vous avez dû le remarquer, hein, les. Ok. Ceux qui ont vu pas mal de mes vidéos YouTube, hein, même ceux qui voient celle-ci, je pense que vous avez dû le remarquer, hein, mais sur toutes mes autres vidéos, si vous avez vu les autres, vous avez dû voir que quand j'étais célébrateur, je criais. Et quand j'essayais de me retenir de crier, bah non, je pouvais pas, il fallait que je crie. Comme pour Mario 64 DS en moins de 3 heures, je me suis dit putain, je vais pleurer et tout. Et en fait, non, j'ai crié, j'ai fait let's go! À la fin, j'avais fait ça, je m'en souviens. Et même que, à la fin, j'étais trop fier de moi et tout. Et rien qu'à écouter ma voix en plus, je peux pleurer. Vraiment, je déconne pas. Des fois, je peux pleurer en étant ému. Mais en fait, c'est pas que. Pour vous faire comprendre, en fait, c'est pas que. Je suis ému, mais en fait, quand je réécoute ma voix dans des moments où je suis giga fier de moi, c'est l'effondrement, en fait. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est l'effondrement, et je m'effondre, je fonds en larmes, mais des larmes de crocodile. C'est vraiment un truc... Quand je peux réécouter ça, je peux fondre en larmes, je déconne pas. Rien qu'à en parler, ça me fout les larmes aux yeux. Je déconne pas, là vous me voyez pas, mais j'ai la petite larme à l'œil là. Enfin bref. Je ne vais pas pleurer en live. Non, non, non. Jamais pleurer en live. Je crois pas. Je crois pas. Mais j'ai déjà failli. À la fin du Shiny Living Dex. Là aussi, c'était les meilleurs lives de ma vie, je pense. J'avais fait le. Enfin, pas le Shiny Living Dex. Le Shiny Dex. Le... Non, le Shiny Only sur Pokémon Violet. Et en fait, à la fin. En fait, c'est surtout avec le contexte en fait. Le contexte que je... ma vie, en fait. J'étais pas dans ma meilleure période. J'étais en seconde et tout, et j'étais pas dans ma meilleure période en seconde. Parce qu'on faisait un projet commercial avec ma classe, parce que je suis en bac pro commerce. Et je me plaisais pas dans ce projet. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que... Pendant les vacances, je me dis, je vais faire un shiny only sur Pokémon Violet. Et ça prend une semaine. Et pendant une semaine, je suis sur un nuage. Je me sens grave à ma place. Et à la fin du... Du défi, je fonds en, je fonds pas en larmes, mais je suis j'étais proche de m'effondrer, vraiment. On y était presque. J'ai failli fondre en larmes à ce moment-là, mais c'est pas sorti. Parce que je me retiens de pleurer sur internet pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie d'être clip sur ça. Et je viens de me prendre un dégât, ça m'a fait un peu peur. Mais de toute façon, il va y avoir le checkpoint. Attendez. Et par contre, on a 50 caisses bananes, donc là je suis bien. Attends, parce que là. Attendez. Mais oh! Quoi, il voulait pas redescendre le Tiki là? Je sais pas c'est quoi le nom. Exact de ce Tiki. C'est un Tiki volant. Voilà, c'est le Tiki volant qu'on va l'appeler. Je sais qu'il y en a un, c'est Tiki Torche, c'est le Tiki Feu. Il y a les autres Tiki, mais je n'ai plus leur nom en tête. Hein. Sincèrement, je n'ai pas une. Enfin, c'est pas que j'ai pas leur nom en tête, mais c'est que je me suis pas renseigné sur leur nom. Voilà, il y a Tiki Torche. Et après, le reste, je connais pas. Donc, voilà. Maintenant. Ok, c'est propre. On s'en prend environ 2 minutes par niveau dans le monde 6. 6-4, il est je sais pas en vrai, je sais pas comment ça va se passer. En plus 6-4 me fait peur personnellement. En fait 6-4, vraiment va falloir que je gère bien mes cœurs et tout. Parce que si je les gère pas bien, hein, ça va mal se passer. Par contre, comment le jeu il lag sur la version 3D? Eh, j'espère la version HD elle va pas lag. Normalement, non.
Je suis assez confiant, je pense que Nintendo pour un remake ça va pas autant laguer parce que Super Princess Peach les gars, je sais pas si vous avez joué au jeu mais Super Princess Peach il laguait à mort. Le jeu lag un truc de fou, pire qu'Écarlate et Violet, pire que Légende Arceus. Merde. Alors, je prends quand même mon temps, parce que... Attendez, là, je vais prendre mon temps sur ça. Wow. De toute façon, il y a un Didi pas loin, donc ça, c'est pas grave, mais il faut quand même que je fasse attention. Ok. Attendez, juste... voilà, je voulais juste le tuer, lui. Ok. Ok. Alors là. Let's go. C'était parfait là. La 6-4 que j'ai faite, elle était incroyable. Oh putain, non, c'est le prochain niveau, c'est 6-5. Oh, j'aime beaucoup ce niveau. Mais en fait, dans mon 100% sur la version Wii, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais j'ai fait de la grosse merde. Je suis mort deux fois, deux morts qui m'ont fait perdre énormément de temps. C'était catastrophique. Le plateau du Rhino, niveau Yarambi d'ailleurs, c'est trop bien. J'adore Rambi, meilleur personnage. Enfin, c'est pas le meilleur perso, mais j'aime bien quand même Rambi. Le début du niveau, je le maîtrise parfaitement. Après la deuxième partie, je la maîtrise un peu moins bien. Ok. Oh putain! Oh putain, j'ai cru que j'allais mourir, putain, ça m'aurait fait chier. Ok, allez, checkpoint. Eh les gars, ça se passe bien. Hein. Oh. Ok. Merde. Ok, bon, je suis pas sur l'angle parfait. Bon. Let's go. Franchement, là, la run, elle est bien. Hein. Surtout, le monde 6, c'est vraiment pas mal. Donc ça, ça fait plaisir. Les gars, je remarque un truc. Il y a 5 viewers et bonjour à tous. Hello, everybody. So, welcome on my channel. And I swear, you will appreciate what I do on my Twitch channel. Bref. Je me concentre, donc désolé hein, si je peux pas lire les messages. Hein, mais... Bon, là, de toute façon, il n'y a pas de message. J'ai l'impression que c'est que des lurkers, mais... Et je peux comprendre que les gens soient en lurk et n'aient pas que ça à foutre que de m'envoyer des messages. Hein. Les gens sont occupés. Oh, yes! Ok, c'est propre. It's clean. I swear that's the run. I really swear that's the run. Because if this is the run, I finally finish with this game. I finally finish with Donkey Kong Country Returns 3D. Now you came back on the Wii version. Also, I'm very impatient about the HD version because I think I can have good time on this version. I think I can. Okay. On fait pas comme dans le 100% en new mode. Parce que j'avais oublié de sauter, du coup j'étais mort en fait. Super. Ok. Propre. Mais pendant ces périodes de vacances, je pense que je vais faire beaucoup plus de live.
Parce que j'ai tellement d'objectifs sur Returns Wii, sur plein d'autres jeux et tout, que vraiment, je vais tryhard, je vais charbonner hein, un de ces trucs, vraiment, les lives. Je vais même créer, j'ai créé un nouveau compte Instagram, mais je pense que je vais créer aussi un compte TikTok, les gars, aussi. Et j'essaierai sur ces deux comptes de poster des clips, de faire des stories pour dire « Je suis en live, venez me voir ». Pour essayer de gagner de la visibilité sur Twitch, parce que j'aimerais vraiment faire découvrir le monde du speedrun à des gens. Je sais que plein de gens s'en battent les couilles du speedrun. Mais moi, je m'en bats pas les couilles. C'est pour ça que j'aimerais au moins faire peut-être aimer le speedrun à des gens. Même il y a des gens d'un streamer dont je suis habitué qui ont appris que j'étais speedrunner récemment. Bon, j'ai pas gagné de follow suite à ça. Parce qu'ils ont pas cherché plus loin. Ils se sont pas dit il a une chaîne Twitch, c'est sûr et tout. Ils ont juste appris que j'étais speedrunner. Ils ont juste appris que j'étais top 1FR de Mario Party Superstars, tous les mini-jeux en maître. 11e mondial. Ok, bon. Bah, checkpoint, let's go, là, pour le moment, ça se passe très bien. Bon, là, on espère qu'on va l'avoir, le saut du crabe. Bon, ça, je l'ai pas, c'est pas grave. Ok. Je prends pas de risque, évidemment. Je préfère prendre mon temps. Merde. Ok, bon, c'est propre. C'est pas parfait, mais c'est propre. 1.33, 33, 85, le split. Eh, franchement, les runs 100% sur ce jeu, elles sont trop bien. Franchement, c'est un jeu trop cool à speedrunner. Les jeux de plateforme en 2D, je kiffe tellement les speedruns. Et je pense que vous avez dû voir ça, hein. New Super Mario Bros. Donkey Kong Country Returns. Donkey Kong Country Returns 3D. Je speedrun quoi d'autre comme autre jeu en 2D, moi. Je sais plus, mais... Après, j'ai pas mal de speedruns sur les Mario Party aussi. Parce que j'aime bien speedrunner les... Les Mario Party, parce que c'est surtout que j'avais des objectifs à l'époque sur les Mario Party. Là, j'en ai plus vraiment. Oh putain, j'ai oublié. Oh le con. Bah. Premier oubli, les gars. Premier oubli. Ah, c'est dommage. Oh putain. Ah putain, c'est dommage, j'ai oublié. Bon, au moins, j'ai remarqué, mais. Ça va, parce que c'est pas. J'ai remarqué parce que des fois ça arrive que des gens remarquent pas et perdent plein de temps et tout. Là ça va. Là ça va, j'ai... Oh putain. J'ai vraiment oublié. J'en rigole mais... Oh putain, si j'avais vraiment oublié ça m'aurait... Oh j'aurais eu un gros coup de somme. Le gros coup au moral que j'aurais eu. Attendez. Ok. Parce que sur les autres niveaux j'ai rien oublié. Ça c'est sûr. 38. 38 pièces banane. Bon, de toute façon, je suis large. Hein. Attends, parce que je vais prendre mon temps. Je vais prendre mon temps parce que si je fais comme au début et que j'oublie la pile. J'ai oublié la lettre. Oh là 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 là. Mais quel con. Je suis vraiment un teubé. Hein. Bon, ça va parce que ça reste propre dans l'ensemble. Ça reste propre dans l'ensemble. Juste, je perds pas mal de temps. J'ai perdu... allez, j'ai perdu... 15 secondes. Ouais, 15 secondes quand même. C'est pas rien, 15 secondes. Hein. C'est quand même 15 secondes. Alors, je sais pas pourquoi je passe par là. Hein. Allez, Magma Mia. Niveau que je n'aime pas. C'est le pire niveau K. Le pire niveau K. Et là, j'espère que je vais pas faire comme en new mode. Donc là, je suis désolé, les gars. Je ne vais pas parler. Je vais peut-être chantonner, mais je vais pas parler. Ok. Ok, c'est propre. Ok, c'est propre. Là, c'est la première partie, mais là on est sur la deuxième partie.
Il y a ces petits trucs là qui viennent te faire chier. Ok. Oh putain. Vas-y, vous savez quoi? Hop. Je m'en bats les couilles. Je passe comme ça. Putain, je sais pas comment j'ai raté ça. J'ai honte de moi. Hein. En toute honnêteté, j'ai quand même honte de moi. Allez, s'il te plaît, ne fais pas n'importe quoi sur Endo. Et voilà, je suis mort! Je me déteste, hein. Je me déteste vraiment parce que j'ai fait comme en new mode. Bon, là, je vais perdre moins de temps qu'en new mode, mais frère. Frère, c'est honteux de mourir sur ça, mais si seulement je m'étais pas pris l'autre moustique de merde. Ce niveau, il est infernal en. Sur la version 3D, si seulement j'étais sur la version Wii, ça aurait été beaucoup plus simple. Je me déteste, hein, vraiment. Allez, je l'ai déjà fait une fois sans me faire toucher, alors que j'avais en mode miroir en plus, donc sans me faire toucher en plus. Donc, Allez, allez, Sorendo, tu peux pas faire n'importe quoi sur ça. Ressaisis-toi, bon sang. Le monde, il est à toi, il t'appartient. Prends-le dans tes mains, bordel. Ok. Allez, on y va maintenant, hop. Et là. Là, j'ai pas intérêt à merder. Enfin, je déteste ce truc. Je me déteste hein, parce que je suis touché une fois là je. Oh, attendez. C'est bientôt bon là. Oh yes. Oh yes. C'est bon. On a fait comme en new mode mais. Putain, foie, mais ça fait peur. Oh, la pression qui redescend. Ça m'a pris un petit peu moins de 4 minutes pour faire ce niveau. Mais quel niveau de merde vraiment. Ah putain, mais ça me fait trop peur, je déconne pas, j'ai peur de ce niveau, j'ai peur, vraiment, je le déteste. Le pire, c'est que je m'étais entraîné tout à l'heure, ça s'était bien passé et tout, mais je sais pas pourquoi je choque sur ce niveau à chaque fois. Faut revoir ça, hein, franchement. Je sais pas si c'est parce que je suis sur la version 3D, mais ouais, je pense que c'est ça, la version 3D, version de merde. Allez, on passe au boss. Franchement, le monde 6, c'était bien, par 6K, et... Bon, 6-8, le petit fail, en vrai, ça va. J'ai connu pire dans ma... Dans ma carrière de runner de Returns, donc, voilà. Je sais pas aussi si, pendant les vacances, je ferais du Tropical Freeze. Parce que faire du Tropical Freeze, c'est... J'en avais déjà parlé que je voulais en faire. Et j'ai déjà un objectif en tête, si j'en fais, ce serait peut-être le record de France. Qui est par Moiré Tunnel, actuellement. Alors, je sais que... Je sais que les gens me disent ouais tu vises haut tout ça. Mais franchement Tropical Freeze je m'en sens capable hein. Me connaissant pour comment je progresse rapidement dans les jeux et tout. Parce que moi je suis quelqu'un qui peut rapidement faire des progrès. Mais ça dépend du jeu encore une fois. Parce que je me souviens que début sur Mario Bros sur DS, j'étais à chier, maintenant je me trouve pas si dégueu que ça. Pareil, mais en 64DS, quand je me revois au début, je me dis putain, mais c'est moi qui jouais comme ça, mais c'est catastrophique. Maintenant, je me dis, ouais, franchement, je suis très bon en 64DS. Voilà quoi. Après, oublions pas que en 64DS, j'ai le record de France et que j'ai battu surtout la légende Greg Alveka. Et ça, c'est une de mes plus grosses fiertés dans le speedrun. Déjà, mes grosses fiertés dans le speedrun, c'est d'avoir battu Airchok, Greg Alveka. Tous ces mecs là, ces gros speedrunners, c'est des légendes de leur jeu, des légendes des sagas qui speedrun, et les avoir battus pour moi, bah c'est une grosse fierté, hein. Et franchement je peux l'être. J'ai même battu des gros streamers de 100 000 abonnés et tout. J'ai 16 ans, j'ai 73 followers, et je détruis à moi tout seul des gens qui gagnent leur vie de Twitch, des gens qui gagnent leur vie de ça, et...
Et moi, je suis là, je m'incruste, je fais coucou. Et ouais, franchement, bah, ça me fait rire, hein, mais ouais, bah, c'est une fierté, hein, c'est une fierté à avoir. Parce que je suis devant Romain Jacques et Galino hein, sur ma partie Superstars, hein, sachez-le. Et c'est quand même deux gros streamers FR. Enfin, non, pas Romain Jacques. Romain Jacques n'est pas un gros streamer FR, c'est un gros streamer suisse. Gros streamer francophone. Pardon. Romain Jacques et Galino qui t'a à live d'ailleurs, que j'ai pu voir. Et Romain Jacques, je passe souvent sur ses lives, Romain Jacques c'est bien. Galino, je le suis pas trop, mais ça a pas l'air d'être un. Un streamer, il a l'air gentil, Galino, il a l'air sympa. Donc ouais, voilà quoi. Allez, 1,42,59 le split sur le monde 6. Ça m'a pris 22 minutes. Ouais. Après, le boss du monde 6 est un peu long. Il y a quelques niveaux qui sont longs dans le monde 6. Mais il y a autant de niveaux que dans le monde 9. Monde 9, pardon. Oui, monde 9. Mais je parlais du monde 5. Je vais dire monde 5. J'ai fait un lapsus. Allez, là, on passe au monde 7. On passe au meilleur niveau du monde 7 et je vais vous redemander le silence parce que l'OST est meg. Masterclass. Y'a rien à redire. La 7-1 que je viens de faire, elle est masterclass. Niveau où je vais peut-être tenter un jour le record du monde sur Wii, comme je l'ai dit en début de live. Mais franchement, ouais, vraiment, je m'en sens peut-être capable. Hein. Peut-être l'égaliser ou peut-être même le battre. Hein. Franchement, ce serait incroyable parce que vraiment, 7-1, j'ai les capacités pour battre mon record. Déjà 56-85, c'est énorme. C'est magnifique ce que j'ai fait et tout. Il nous a fallu 14 ans de. Avant la 14 ans après la sortie du jeu pour découvrir un petit truc qui te fait sauver un petit peu moins d'une seconde et pour qu'un Français comme moi ait le record du monde. Oh, ce serait incroyable s'il y ait ça. Ok. Wouhou! Ok. Wouhou! Très propre. Attends, j'en étais sûr que j'allais faire un truc de merde dans ce temps. Pourquoi j'ai sauté du coup? Oh merde! Bon, c'est pas très grave. Parce que je pense que de toute façon, je l'ai gagné le niveau. Ouais. Oh putain, mais c'est ça de prendre des risques. Plus jamais je prends des risques comme ça parce que. Voilà quoi. Bon, ouais, elle était propre cette 7-2. Franchement, elle était vraiment clean. Vraiment bien. Vraiment cool. Ouais. Allez.
Là, ça se passe bien le monde 7, donc faut que ça se passe bien sur, sur tous les niveaux. Allez! Ok. C'était limite là ce que j'ai voulu faire. Franchement, je sais pas ce que j'ai voulu tenter. Ok. Ok, bah c'est giga propre. Hein. Franchement, je suis content de ce que je fais. Même s'il y a eu des morts un petit peu ridicules. Hein. Ou des trucs que j'ai fait qui sont ridicules, hein. Notamment quand j'ai oublié la lettre dans 6-8 ans, putain. Ok, propre. Clean, propre. Nice, perfect. Perfecto. Muy bien. Si. Porque... Porque Sorendo es un grand speedrunner de Donkey Kong Country Returns. Es una légende del videojuego. Ouais, je sais parler espagnol, voilà. C'est un secret que je cachais depuis des années et voilà. Non, pas du tout, c'est pas du tout un secret. Tout le monde le sait que je parle espagnol, hein. Tout le monde sait que j'ai pris espagnol LV2 et pas allemand. LV2 parce que c'est nul. Enfin, c'est pas que c'est nul, mais c'est on m'a toujours dit fait espagnol, donc voilà. Et ils ont eu raison parce que j'ai 19 de moyenne générale en espagnol. Il y a 0 van. Et je dis pas ça pour me la péter, hein, mais voilà quoi. C'est vrai, j'ai vraiment 19 de moyenne générale en espagnol. 19 de moyenne générale, non, mais 19 de moyenne en espagnol, oui. C'est tellement facile en fait. Pourtant, j'ai pas d'origine espagnole. Enfin, je crois pas. À ma connaissance, non. Peut-être j'avais des ancêtres espagnols. Hein, mais moi, je trouve ça facile. J'ai que des bonnes notes. Que des 15. Que des notes entre 15 et 20. Et bah, ça régale. Hein. Je crois que ma pire note en espagnol, ça doit être un 14 ou un 14,5. Je sais plus. Je crois 14,5. C'était sur un gros contrôle. En gros, fallait lire un livre en espagnol. Enfin, c'était un petit livre, c'était un conte. Et il fallait faire une étude de texte en espagnol, en gros. Il fallait répondre... Enfin, le texte était en espagnol, mais il fallait répondre aux questions en français. Voilà. Donc, en gros, il fallait comprendre les mots. C'était... Et ça va, j'ai compris quelques mots, mais j'ai pas une note de zinzin. Enfin, si, quand même, je rigole. Faut pas croire que je suis le gros intello qui pleure quand il a des 19, hein. Parce qu'il y a une meuf... J'ai des potes, ils m'ont dit... Que dans leur collège, il y avait une meuf qui pleurait pour ça. Elle avait des 19, elle fondait en larmes. Mais bon, eux, ils ont pas été dans le même collège que moi. Ils ont pas connu ce mec qui, quand il avait des 16 sur 20, qui mangeait sa feuille. Vraiment. Il y avait un mec, une fois, il avait un 16 sur 20 en musique, il a mangé sa feuille. Je ne déconne pas. 16 sur 20. En musique. Et il a mangé sa feuille, comme si c'était un tacos 3 viandes. Je ne déconne pas. En tout cas, s'il passe ici, gros salut à toi. Mais c'était un mec, c'était un gros nerveux. Ça se voyait, il avait des gros problèmes de nervosité. Ça se voyait, il était un peu en souffrance, peut-être à cause de ça. Je sais pas, mais ouais, c'était... C'était un mec... Je lui parlais, je l'aimais bien, mais il avait pas vraiment... C'est pas un mec giga sociable. Moi, je l'aimais bien. Oh, le con. Et encore de ce que j'ai entendu... Oh putain la save! Alors ça... Et encore de ce que j'avais entendu de ce mec à l'école primaire, c'est que c'était pire. Parce que j'ai plein de gens qui étaient avec moi au collège, qui étaient dans son école primaire, qui m'ont dit, t'as de la chance de le connaître que au collège, parce qu'en primaire c'était pire.
Franchement, là, ça m'a l'air pas trop mal. Ok. Ok, bon, là, je patiente un peu et j'y vais maintenant. Ok, encore une pièce banane. Let's go! Elle était pas si dégueu que ça, cette 5. Mais c'est vrai que j'aurais pu mourir et j'aurais dû tout recommencer. Et ça m'aurait fait chier. Parce que la partie avec l'interrupteur, qu'est-ce qu'elle est longue. Déjà, le niveau, je le fais en 1.437. C'est mon meilleur. Et si. Voilà quoi. Vraiment, c'est mon meilleur temps sur ce niveau 1.437. Et c'est le record du monde de 3 secondes. Alors, par contre, tactique chromatique, c'est l'un des plus gros records du monde que j'ai. J'ai 6 secondes d'avance, je crois. Sur Léa Casino. Il l'a fait en 59 secondes. Mais le record du monde de Léa Casino sur ce niveau est. L'ancien, pardon, est vraiment pas propre du tout. Ok. Ok, bon, déjà, petit dégât. Ouh, c'était limite. Bon. Voilà. Merde. Au pire. Attends. Pourquoi je panique là? Au pire, attends. J'ai pas envie de me prendre un dégât là. Putain. Donc voilà, je préfère faire comme ça. Attendez, parce que là, je vais prendre mon temps, là, parce que... Wow! J'avais peur de retomber tout en bas, donc là, j'ai préféré prendre mon temps, là. Parce que je peux le faire sans prendre mon temps, évidemment, mais c'est mieux quand même de prendre son temps, quoi. On va passer à 7-7. 7-7, le pire niveau du monde 7, hein, avec interrupteur. Je sais pas comment, mais j'ai réussi à avoir le record du monde sur ce niveau... Le 57-10 qui me semblait impossible. Et finalement, j'y suis arrivé parce que je suis un craquito. Let's go. Merde. Alors. Maintenant. Je prends mon temps quand même parce que... Ok, bah vraiment pas mal ce qui se passe, hein, franchement, je suis assez content. Oh putain, mais non, je disais vraiment pas mal, regarde le truc, vraiment pas mal, je tombe dans le vide. Super. Ok, bon, j'ai plus Didi, mais je pense que je peux quand même bien m'en sortir, et en vrai ça va, c'est pas un gros fail non plus. Donc ça va, j'ai perdu un peu de temps. Mais j'ai fait pire, j'ai eu pire. Allez. Je prends mon temps, comme je l'ai dit. Je prends mon temps. Ok, bon, ça va quand même, ça va quand même. J'ai juste fait un fail maladroit, mais sinon le reste, ça reste assez propre. Le reste. Bref, bon, je vais arrêter avec cette blague parce que je force un peu. Ok,
il y a des gens qui redébarquent dans le chat. Et en tout cas, salut à tous ceux qui arrivent. Hello for everybody who's coming. So I'm Sorrento. I'm a speedrunner of DKS here. I fucking love this game, dude. I really love Donkey Kong. I really love this game. Ok. Ok. Alors mes chats qui courent, my cat are running. So donc j'entends des bruits de chats. I'm hearing sounds of cat with running. Oh, allez, là, on a 60 suivis quand même. Maintenant. J'étais en mode limite ce que je vais faire, en fait c'est bon. Oh, alors là j'ai failli faire de la merde, là je sais pas qu'est-ce qui m'a pris mais... Wow, 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 wow. Tiens, je tiens juste à préciser un truc, désolé si, si mon live est de mauvaise qualité. Hein. Je dis pas ça parce que j'aime pas mon live, mais je dis ça parce que je filme avec un vieux téléphone et tout, je sais, faudrait que j'en rachète un, voilà. Faudrait que j'achète un boîtier d'acquisition, un truc comme ça. Ok, bah c'est parfait là ce que j'ai fait. Ok. Parfait. 7K. Une 59-40. En tout cas, là, j'espère ne pas choke sur cette F comme j'ai choke en new mode. Parce qu'en new mode, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais j'ai choke sur cette F. Vraiment, j'ai choke sur ce niveau-là. La honte de ma vie, vraiment. Bon là ça va, là j'ai pas de choc. Là ce que j'ai fait c'était vraiment propre. Allez, 2, 1, 6. Franchement très propre. Volaille en ferraille, c'est parti. Ok, allez. Allez, s'il te plaît, ici. Viens faire ton attaque ici. Oui, il l'a fait ici. Et de 1. Là ensuite, la deuxième attaque, il va la faire ici.
Et 2-2. La troisième attaque va-t-il la faire maintenant? Je ne sais pas. Là, franchement, là, faut que je croise les doigts. Parce que je suis jamais chanceux sur ce boss. Vraiment, c'est un truc de ouf. Oh oui! Oh oui! Oh merde. Attends. Oh oui! Oh oui! Oh la RNG de bâtard! Sauf qu'il va partir là-bas, évidemment. Mais non, putain, j'ai de choc. Oh merde. Plus il me faut absolument Diddy Kong, donc là c'est sûr je vais pas avoir Diddy, hein, vous allez voir. Putain, je re-choc. Oh putain, double choc. Hein. Double choc. Vous savez ce que c'est le stress? C'est ça. Ah, j'ai foiré deux fois l'attaque sur le poulet alors que j'avais une RNG de zinzin. Le jeu m'a tout donné. Et moi j'ai tout gâché, super. Bon ça va quand même, ça m'a pris un peu moins... Ça m'a pris, ouais, un peu moins de 22 minutes, ouais, encore une fois, pour faire ça. Maintenant on va passer au monde de 8, l'avant-dernier monde, avant le monde 9. Donc là quand même, on a fait le speed en 2h, 4 minutes et 3 secondes pour le boss du monde 7. Alors... Je sais pas, j'ai combien de pièces, mais je crois que j'en ai pas mal. Mais je sais que j'en ai assez pour m'acheter la clé. Je sais juste, j'en ai combien, c'est juste comme ça. Parce que si je m'arrête sur ça, ça me fera chier quand même. Je vais acheter un jus de banane. Ok, bon, déjà un dégât. Deux dégâts. Putain! J'aimerais quand même prendre mon temps sur ça, parce que j'ai pas envie de faire un truc ridicule. Ok, bon. Ok. Ça va quand même. C'est faux. J'ai honte de moi, hein, franchement. Putain. Vas-y, c'est bon. Là, je vais rush, là. Parce que... Là, je me sens peut-être capable de faire des trucs bien. Oui. Bon, c'est moyen, c'est moyen. Ah, merde. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça va, ça va, ça va. Franchement, je suis assez fier de moi. Hein. Franchement, moi, j'aime bien, moi, ce que j'ai fait. Hein. Allez, là, on passe à 8-2. Donc là, c'est plutôt propre. Et par contre, 8-4, je me suis vraiment entraîné, les gars. 8-4, où j'avais fait de la merde, je me suis pas mal entraîné. 8-5, un petit peu moins. Allez, on part sur 8-2, les gars. Je suis bien content là de faire mon pipi aujourd'hui, puisque demain je pourrais pas live en fait. Demain je peux pas live parce que je vais chez le dentiste et il y a le match de la France à l'Euro. Et évidemment que moi je soutiens la France, hein. Je suis pas un Français qui va soutenir un autre pays sans avoir d'argument. Moi je suis un Français qui soutient la France et qui... Est-ce que je soutiens vraiment d'autres pays en vrai? Après là c'est France-Belgique et j'ai un peu des origines belges. Parce que mon nom de famille, je vais pas vous le dire, hein, parce que c'est délicat. Enfin c'est pas que c'est délicat mais c'est... je peux pas le dire comme ça. Mais en fait, j'ai un nom de famille belge. Donc ouais, j'ai des origines belges. Et donc forcément, voilà quoi, c'est le pays de mon origine. Mais le truc, c'est que je suis né en France, j'ai grandi en France. Donc honnêtement, je soutiendrais plus... Ah putain, je l'ai pas eu, je suis sérieux.
Donc je soutiendrai plus la France quand même. Putain, j'ai vraiment raté la lettre N. Non, pas comme ça, pas comme ça. Non, putain, oh non, j'ai le seum. J'ai le seum en plus, je rate... J'ai le seum de rater des lettres dans des niveaux en fusée, parce que ça te fait perdre pas mal de temps. Ok, bon, la lettre G, je ne la rate pas. Ok, bon, 8-2, ça a été un peu nul. Cela fait un moment que vous jouez. Pourquoi vous ne faites pas de pause? Pour la simple et bonne raison que je ne veux pas faire de pause. Je suis en speedrun. Je ne peux pas faire pause comme ça. Appuyez sur le bouton start. Merde! C'est le mec giga aigri à chaque fois qu'on lui fait une remarque. Je suis pas comme ça, moi. Je suis pas giga aigri dès qu'on me fait une remarque, hein, je vous rassure. Qui est train d'enfer. Ah, par contre, ça me fait chier parce que j'ai pas Didi. Oh putain. Oh, ça va être chaud là sans Didi. J'aurais dû retrafiquer tous mes splits et tout. Mais... Non, je ferais pas ça. Non, je vais prendre mon temps vu que j'ai pas Didi hein, pour la deuxième partie de ce niveau. Ok, propre. Propre. Mais bon, ça va être facile à récupérer. Ok, bon, ça va. Oh putain, en plus j'ai pris le dégât. Oh là là. Ok. Très propre. Alors que j'avais pas d'idée en plus. Donc vraiment, là, toutes les emmerdes du monde pouvaient m'arriver. Et finalement, ça c'est... Giga bien passé, let's fucking go. Là on va passer à 8-4. J'ai tryhard ce niveau parce que j'ai fait de la merde la dernière fois que j'avais joué à ce niveau. Ok, comme ça, comme ça, comme ça, hop. Et là. C'est propre là, ce que je fais là c'est parfait pour le moment. J'espère que ça va rester parfait. Ok, parfait. Franchement je suis fier de moi. Franchement là pour le moment là ce que je fais c'est... C'est précis, oh c'est précis. Oh là 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 là. Allez, et de 1, et de 2, et simplement de... Je sais pas pourquoi je dis ça. Wow, attendez, je panique un peu là. Je suis un peu bourré. Non, je déconne, je ne bois pas, évidemment. Ne buvez pas, les amis. Ou en tout cas, buvez, mais avec modération. Parce que l'alcool, ça détruit le foie. Voilà. Ok. Oh là là, le split incroyable sur 8-4. J'ai fait en 2 heures, 12 minutes, 12 secondes et 12 centièmes. Incroyable. Incroyable. 2, 12, 12, 12. Il y a 4 fois 2 et 1 fois 3. Et 3 fois 1. Pardon. Parce que 1 fois 3, non, ça t'est pas dit. 1 fois 3. Et pas 1 fois 3. Sauf si tu fais un calcul de mathématiques, évidemment. Que tu fais une multiplication. Mais bon, je suis pas prof de maths. Je vais pas vous faire un cours de maths.
En plus, c'est les vacances, donc je risque pas de vous faire de cours. Voilà. Oh, mais non, mais putain! J'ai peur. Vous savez quoi? J'y vais maintenant. Est-ce que... Bon, vas-y, vous savez quoi? Je prends un risque. Bon, j'ai deux cœurs au moins, donc moi je me dis, vas-y, j'y vais comme ça. Wow! Attends, pourquoi? Ah. Ok, alors là je prends mon temps parce que il veut descendre très bas le truc qui est en haut. Alors là j'y vais pas tout de suite. Attends, parce que là... Wow! Oh! Ok. Allez. Merde, magma! Alors attendez, je prends quand même mon temps, parce que si je prends pas mon temps, je vais tomber, je vais perdre du temps. Ok, alors, voilà, comme je l'ai dit, je prends mon temps. Attends, non, j'y vais pas. Je l'ai pas senti en fait, donc j'ai préféré ne pas y aller. Propre. Très propre cette 8-6. Bon là le monde 8 se passe bien, par 8-2 on a perdu une dizaine de secondes. Mais franchement ça va quand même le reste. Éruption imminente. Ok, checkpoint. Ok. Oh merde. Bah, du coup, je vais devoir attendre. Voilà. Merde. Attendez, là je prends grave mon temps. Attends. Oh merde.
Franchement, là, c'est ça s'est bien passé. Allez, là, par contre, ne crions pas victoire trop vite. Dans les entraînements, j'avais misclick et j'avais raté la lettre G, ça m'avait un peu fait chier. Mais là, je n'ai pas misclick, ça s'est super bien passé. Let's fucking go, là. Le 8-7 qui se passe bien. Là, j'espère, par contre, 8K, ça va bien se passer. Et 8B aussi, j'espère que ça va bien se passer. Parce que si ça se passe mal... Ah, quel dommage. Mais là, par contre, le sous 3 heures, là, il y a... Franchement, moi, j'y crois beaucoup, hein. J'y crois énormément, là. Je le sens vraiment bien et tout. C'est... Donc, c'est bien. Là, par contre, à la fin de la run, je vais aller aux toilettes, là, parce que ça fait quand même plusieurs heures que je me retiens. Je vous cache pas. Et... pas envie de perdre mon temps. Allez. Attends. Je vais quand même faire gaffe. Hein. Ouah, j'ai mes doigts qui ont failli glisser. Non! Oh! Oh la backup! Oh la backup, let's fucking go! Oh, je suis fier de moi là pour le coup, pour la backup que je viens de faire. Ce niveau-là, sans Didi, il est quand même beaucoup plus dur. Mais il est pas impossible non plus, hein. Franchement. J'ai déjà fait dans les entraînements sans Didi, des fois je m'en sors bien, comme des fois je peux m'en sortir très mal. Hein. Allez. Ok. Alors attention, là je me mets là, je me mets là, je me mets là, je me mets là, et paf, il est à moi celui-là. Ok, bon là, voilà, c'est bon. Je vais pas forcément bouger hein, pour un truc comme ça. Ok. 2h, 20 minutes, 36 secondes. Le split sur 8K. Et je fais le split pile au moment où Donkey Kong attrape la perle. Enfin, je sais pas si c'est une perle, mais... En tout cas, la balle, quoi, le truc rond. Allez, on passe à 8B. Terreur de Tiki Kong. Je me suis entraîné dessus aujourd'hui. Ça s'était bien passé. On espère que ça va bien se passer parce que je me souviens que ça s'était pas non plus excellentement bien passé dans mon pipi en new mode. Ok, let's go. Ok. Bon, déjà, on va lui détruire sa main gauche. Sa main gauche, parce qu'en fait, pour lui, c'est sa gauche, en fait. Et pour nous, c'est la droite, mais pour lui, c'est sa gauche. Donc, c'est pour ça que je dis la main de gauche, évidemment. Je ne confonds pas ma gauche et ma droite, hein, évidemment. Oh, let's go. Oh, let's go. Mais c'est parfait, là, ce que je viens de faire. Maintenant. Ok. Bon bah let's go hein. Allez. Là
Maintenant, c'est la deuxième phase. Et 2-1. Ok. Ah putain, il fait cette attaque-là, je la déteste. Attends, elle est tombée dans le vide? Le cœur est tombé dans le vide. Oh putain. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui! Et 2-2. Et 2-2, et 2-3 peut-être. Ah putain, pas et 2-3. Il fait quoi? Oh putain, il fait ça. Bon, ça, ça va à la limite. Wow! Ah putain! Arrête avec tes attaques! Et fais ton truc où tu t'écrases au sol. Allez, c'est bon. Là, c'est bon. Il va s'écraser au sol, là. Allez, même pas. Attends, là, peut-être, là. Ah, non. Tu peux pas mettre un cœur, sinon, s'il te plaît? Attends. 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 Ah oui! Merci. Let's go! Oui, c'est ça pour... J'allais appuyer sur le bouton start comme un débile. Voilà, je redémarre Donkey Kong Country Returns 3D. Parce que il va y avoir des cinématiques, il va y avoir les crédits, et on ne peut pas dépasser la première fois que tu les as. Donc, je dois redémarrer le jeu. Bizarre, j'ai un mauvais pressentiment. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Je sais pas pourquoi, j'ai eu comme un mauvais pressentiment. Je sais pas, bizarre. Mon cœur m'a dit un truc bizarre. Ça se trouve, mon cœur va me dire ça va très mal se passer pour toi. Moi, bon, j'espère pas, hein, parce que... Ce serait dommage. Allez, je les ai toutes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Enfin, je me rappelle ma run en 100% sur la version Wii, j'avais pas dit compte du coup. C'est vrai que j'avais galéré sur le temple d'or et tout. Finalement, ça va, je suis mort deux fois rapidement. Mais après, l'autre tentative, elle était quasiment parfaite. Même, on se souvient de... On va peut-être faire la run en moins de 2h25, les gars. Oh là là, ce serait incroyable. Je me rappelle, j'avais dit ça et là. Oh, let's go, le sous 2h25. Je me rappelle, j'étais comme ça et tout, j'étais trop content. Allez, colonne en run. Wow. Alors, attendez. Je prends quand même mon temps. La checkpoint, let's go. Merde. Ok. Pas trop mal là ce qui se passe. Ok, propre. Je prends mon temps évidemment parce que j'aimerais pas tomber. Ok, ça s'est très bien passé pour le moment, le premier niveau, on espère que ça va continuer. Allez, 9-1, c'est très bien. Geyser jaillissant. Sur le monde 9, j'ai quand même pas mal de records du monde. J'ai des records du monde sur 9-2, 9-4, 9-5, 9-7 et 9-9. Donc, c'est pas mal. Déjà, avoir un record du monde sur Returns, que ce soit sur la version Wii, la version 3DS, quand ce sera même la version Switch, ce sera déjà bien quand même d'avoir un record du monde. Ok, bah... Je suis passé comme ça, très rapidement, bah c'est super.
Oh, c'est nul. Oh, je me suis pris un petit dégât. De toute façon, là, il va y avoir le tonneau Didi, là, pas loin. Attendez, parce que là je vais prendre mon temps quand même, parce que j'aimerais ne pas perdre Didi pour la prochaine phase. Et je perds Didi. Bon, au moins j'ai le checkpoint. Ça me fait chier parce que je perds Didi. Mais. Ok. Ah, ça fait mal. Attends. Ok, déjà le début est parfait. Maintenant là, on est à cet endroit là. Ok, let's go checkpoint. Ça s'est très bien passé. Merde. Oh putain, c'est ridicule. Bon, je vais me rattraper là parce que le truc va bientôt se refermer sur ma gueule et tout. Sérieux? Oh, j'ai honte de ce fail. Ok, c'est bon. Ça s'est bien passé. Ah putain. Oh oui, c'est propre. C'est vraiment pas mal là ce que j'ai fait sur 9-3. Je sais pas si je vais faire mieux que mon PB en new mode, mais c'est pas impossible. Hein. Vraiment les gars, cette run. Franchement, cette run, elle est vraiment très propre. Bon, j'ai eu 2 morts sur 4-3, j'ai eu 2 morts sur 5-1. Il y a eu des niveaux où j'ai eu 2 morts, mais quand même, ça s'est bien passé quand même, l'ensemble de la run, je trouve. Et là encore, ça se passe très bien, là, le monde 9. 0 mort pour le moment, et ça se trouve, on va rester à 0 mort, hein. Qui sait? Ok. Et voilà, là, on est tout là. Ah putain, en plus j'ai... Ah du coup je vais perdre du temps sur ce truc là, putain quel dommage. Bon. Ah, ok, bon au moins j'ai le checkpoint. Nice. 9-4.
Merde. Bon, ça va quand même. Là, on est déjà au checkpoint, donc ça, c'est bien. Ça veut dire que je fais du bon boulot. Et peut-être que... Peut-être que si ça continue comme ça... Est-ce que je vais l'avoir? Ah, non. C'est sûr que je l'aurai pas. Non. Quoi? Très bizarre ce qui m'est arrivé. Non mais je suis un connard. Attends. Vas-y, je prends mon temps parce que là... Ok. Wow, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vais attendre. Parce que là, j'ai pas Didi et c'est... Non! Oh! Let's fucking go, ma gueule! Wow, c'était galère, hein. Franchement, c'était giga galère, la 9.5. Mais vraiment, c'est un niveau qui est pas simple du tout, 9.5. Surtout que quand t'as Diddy Kong, c'est tellement mieux, mais quand tu l'as pas, c'est tellement pas confortable pour toi. Allez, on va faire gare au goudron. Et le début est quand même très compliqué quand t'es en original mode et que tu n'as pas Diddy Kong en plus sur ce niveau. Merde. Ah oui, c'est vrai que dans ce niveau, hop, ça fait ça. Oh! Attends. Je prends mon temps parce que j'ai quand même très peur. Oh yes, checkpoint! Ok. Ok, bah let's go. Let's go, ça s'est giga bien passé. Tranquille, hein. Franchement, là, si ça continue comme ça, moi, je suis bien. Hein. Let's go. Faut que ça continue. Plus que 3 niveaux, les gars, à faire. Ça se passe super bien. Allez, fabrique robotique. J'essaie de mieux vous montrer aussi, parce que j'ai l'impression que vous voyez pas assez. Merde. Oh putain, j'ai failli me péter la gueule. En plus, il n'y avait rien à appuyer du tout, c'était des trucs automatiques. Bon, c'est pas grave. Ok, let's go. Putain, je
super Didi. Non, il n'y a plus Didi. Bon. Ok, bon. Là, c'est bon, je le récupère de toute façon. Donc, voilà. Et là. Merde! Oh! Non, j'ose pas y aller. J'ose pas y aller, vraiment, j'osais pas y aller du tout. Wow! Franchement, mon 2.44 de New Mode est imbattable. Vraiment, je peux le faire sur cette run. En plus, zéro mort pour le moment dans le monde 9. Hein, franchement, je suis content de moi. Enfin, j'espère que ça va bien se passer, surtout sur 9.9 là, parce qu'il me reste que deux niveaux et 9.9. Il fait un peu peur, hein, j'avoue. Et par contre, les gars, j'ai toujours pas d'idée de miniature aussi. Mais bon, j'ai jamais réfléchi au taf à des idées. En vrai, j'ai peut-être une idée là que je vais faire, hein, parce que c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Mais je vous en dis pas plus, vous verrez les gens de Twitch. Mais bon, il y a personne sur Twitch, mais quand même. S'il y a quelqu'un qui débarque plus à ce moment-là, ce serait dommage, quoi. Oh putain, allez. J'ai envie d'aller aux toilettes, les gars. Oh merde. Putain, c'était incroyable. Oh, c'est incroyable là pour le moment, la 9-8. Yes. Ok, 2.40.32. Allez, plus qu'un niveau, les gars. Et en plus, j'ai Diddy Kong. Donc là, j'ai vraiment pas le droit de me planter sur ce niveau. J'ai vraiment pas le droit de me planter sur ce niveau, les gars. Ça se passe parfaitement bien. J'ai pas le droit à l'erreur. Je n'ai pas le droit à l'erreur. J'ai pas le droit à l'erreur. Allez. Ouh. 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 Ah putain. Comme je l'ai dit, je souhaite un peu. Oh yes. Est-ce que ça... Attends, j'ose pas y aller, parce que je saute pas assez haut. Oh merde! Putain, je suis tombé dans le vide. Ah bah c'est parti pour les chocs. Ah, c'est tellement dommage. Attendez, parce que là... Oh. Oh. Merde, j'ai pas visé au bon côté. Ok. Ok. Ok, c'est bien. Oh, oui. Oh, ça va être plus rapide que mon PB en new mode. Mais c'est pas grave. Merde. Ok, bon, c'est pas grave, j'ai raté le saut de la fin, mais c'est bon, j'y suis arrivé, les gars. Oh là là,
Oui. Regardez-moi ça. Vous pouvez jouer à tous les niveaux en mode miroir. On a fini tous les niveaux, let's fucking go mon gars. Plus 100%, bon, on a eu une mort sur 9-9, hein, bah, ce qui devait arriver, arriva, hein, fallait, je pouvais pas faire 9-9 sans mourir, hein, fallait que ça arrive. Bon, en tout cas, je vous montre bien que je suis à 100%, en attendant, je vais faire un truc, je vais vous mettre ça en grand pour que vous puissiez voir. J'aime quand les choses sont grandes, moi. Alors, voilà, là, je vais vous montrer ça. Voilà, 100%, 100%, comme vous pouvez le voir, de Returns 3D, et en version originale. Et donc le temps, regardez, plus rapide, 2.47.03, alors que j'avais fait 2.44.44 sur le new mode. Et en plus, l'ancien record du monde, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Regardez, il y a presque 2 heures d'écart. Il y a presque 2 heures, c'est ça ce qui est incroyable. Franchement, je suis très fier de moi, très fier de cette run. Je la mets au plus vite sur YouTube, hein, vraiment. Je suis très fier de moi et let's fucking go. Let's go les gars.